Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du fish check. Quand on débute en aquariophilie, il est parfois difficile de savoir si un poisson est en forme ou s'il n'est pas en forme. Donc, on va poster sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos, histoire de se rassurer un petit peu à la moindre hésitation, au moindre doute. Là, j'ai pu essayer pour vous, alors c'est en bêta test, bien sûr, mais je vais vous montrer le gadget du moment pour connaître la santé de vos poissons. C'est le fish check. Le principe est très simple. Vous avez une sonde avec laquelle vous allez pointer le poisson à analyser. À partir de là, sur votre ordinateur, la photo va être prise en compte. On va pouvoir sortir l'ensemble des informations sur le poisson que vous avez scanné et évaluer la santé de votre poisson. Et là, ça va vous permettre d'être même proactif parce que on va pouvoir voir même des maladies avant qu'elles se manifestent véritablement trop de façon importante. Ça va vous permettre de mettre vos poissons en quarantaine de façon proactive, éviter donc la dissémination d'une maladie et garder ainsi votre population en sécurité. Ce fish check, comment ça marche ? Je vais vous montrer, c'est très simple. J'ai sur mon ordinateur branché ma sonde. Je viens chercher à sonder un de mes poissons. Donc forcément là il se cache. Hein, mais voilà, là j'en ai un. Et je vais vous montrer maintenant sur l'ordinateur comment ça se passe. Le poisson s'affiche et vous allez avoir un ensemble de critères qui vont se mettre pour pouvoir afficher la santé donc de votre poisson. Une fois cela fait, vous pouvez voir quelles sont les maladies, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et toutes les informations pertinentes à ce stade pour que vous puissiez faire les bons soins. Forcément, là, on ne parle que de poissons. Il y a des évolutions qui sont prévues pour pouvoir vérifier de la même façon vos coraux, vos invertébrés et aussi les pierres vivantes, être sûr qu'elles soient bien encore vivantes. C'est très très important parce que ça permettrait à tous ceux qui ensemencent de vérifier l'efficience de l'ensemencement grâce à ce check électronique assisté par ordinateur qui va vous permettre d'être vraiment pointu dans la mesure de la santé de votre aquarium. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt. Je lance. 2 minutes 10. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du pet check. Non. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du fish check.